Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement. À une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. OTEP à tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat politique, géopolitique, et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres, qui est celui de la mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, j'entends ici et là des soi-disant, des pseudo-économistes africains, africains noirs, comme vous et moi qui disent que l'Afrique n'est pas riche. Les matières premières qu'il y a dans leur sous-sol, c'est pas une richesse. Ils affirment aussi que euh, nous accusons la France, nous accusons l'Angleterre, nous accusons euh, euh, les États-Unis et euh, ces puissances occidentales d'être à l'origine de nos malheurs. Ce n'est pas vrai, c'est faux, c'est notre propre responsabilité. Je ne sais pas euh, D'où vient ce genre de personnage euh, Est-ce que celui qui dit ça vit sur cette planète ou bien il vient, euh, il est sorti des cuisses de Jupiter Pour ne pas comprendre ce qui se passe exactement, euh, je me demande dans quelle école économique, hein, quelle école d'économie euh, il est sorti. Est-ce que c'est encore euh, le genre d'Alassane Ouattara euh, qui a un CV qui se tourne, euh, qui euh, stipule tout simplement que monsieur a travaillé à, au FMI et il, il n'est pas capable de gérer son pays correctement, de développer la Côte d'Ivoire? Bref, quand on vous dit que les matières premières qu'il y a sur sous notre sous-sol, ce n'est pas une richesse, c'est faux, c'est archi faux. Eh oui! Vous savez, on a un ancêtre, Kankan Moussa, qui euh, a fait le déplacement euh, euh, à la Mecque. Il avait 18 000 tonnes d'or. Une délégation de plus de 60 000 personnes. Et quand il est arrivé, à son retour, il, il a tellement distribué de l'or aux gens que le cours de l'or a chuté. Et vous allez me dire que ce n'est pas une richesse, que c'était un homme pauvre. C'est incroyable que des Africains puissent soutenir des thèses aussi euh, ridicules. C'est ça le malheur de, de, de ce qui rend d'ailleurs notre combat en tant que panafricaniste très difficile. Parce que nous avons des gens qu'on manipule facilement. Ils savent que, que ce qu'ils disent, ce n'est pas la vérité. Mais parce qu'on leur a donné un peu d'argent, parce qu'on euh, les soutient dans tel ou tel domaine, parce qu'ils veulent avoir tel ou tel avantage dans les pays occidentaux, et donc ils sont obligés de brader le continent. Ils sont obligés de raconter des bêtises. Et ce n'est pas la première fois. Il y en avait un qui avait dit, qui avait fini par déclarer. Il, est, il avait tellement le vent en poupe, sur toutes les chaînes de télévision françaises, en le voyait. Je ne veux pas citer son nom pour le respect que j'ai pour la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé Un jour, il va venir faire la déclaration. C'était un historien. Non, euh, l'esclavage, les Africains pratiquaient déjà l'esclavage. Il a fallu que euh, le grand Kouvi Gomez puisse le mettre, lui mettre à sa place en lui démontrant par A plus B que même le mot esclave n'a jamais existé dans le langage africain de nos ancêtres. Donc voilà, nous avons des gens comme ça qui vous disent non, les matières premières, le pétrole que nous avons, c'est pas c'est pas une richesse. Non. Le pétrole que nous avons, l'or que nous avons, le diamant que nous avons, ce sont des richesses. Voilà. C'est une richesse pour nous. Parce que c'est ça que nous prenons, nous vendons. Quand vous avez un champ de café ou de cacao, mais votre richesse c'est quoi C'est bien ce café cacao que vous récoltez tout le temps. Et pourtant, ce café cacao n'est pas transformé sur place. Parce que lui dit que les richesses c'est lorsque vous transformez ça sur place. Non, ce n'est pas vrai. Les richesses c'est parce que quand on évalue par rapport au dollar ou par rapport à l'or, comme étalon de mesure. Eh bien, on peut savoir que non, vous avez beaucoup d'or ou vous avez beaucoup de dollars. Maintenant que la Russie aussi veut qu'on utilise le rouble ou le yan, bon, euh, on évalue ça en fonction de, euh, du rouble ou du yan. C'est là, c'est ça qui fait la richesse. Ce n'est pas parce que vous, vous transformez vos matières premières que vous êtes riche. Non, ce n'est pas vrai. C'est parce que vous détenez quelque chose qui a de la valeur. La richesse, c'est ça. C'est une chose qui a de la valeur. Maintenant, produire de la richesse, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'à partir de ce que vous avez qui a de la valeur, vous transformez ça vous-même. Là, vous produisez ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Vous donnez plus de valeur à votre produit. Vous donnez plus de valeur à ce que vous avez, ce que vous détenez. C'est comme ça, c'est ça la richesse. Quand on vous dit que non, euh, il y a, on, et, 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 et le, le monsieur, il était tellement audacieux qu'il va vous dire que non, il y a même des intellectuels qui tombent dans le piège. Ils se disent des panafricanistes, ils tombent dans le piège. Non, nous, on n'est pas tombé dans le piège. C'est lui qui tombe dans le piège parce qu'il a été corrompu. Tu ne peux pas dire qu'un pays comme le Cameroun, qui produit du bois, qui a de, du fer, qui a de l'or, qui a de, le pétrole. C'est pas une richesse? Non, ce sont ces richesses. Parce que quand on prend ces matières premières-là, on lui donne une certaine valeur. Mais non, lorsqu'il transforme cette matière première, il fait ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Il produit de la richesse. Mais il est déjà riche parce que c'est lui qui a la matière première. Ce que les Blancs utilisent dans leurs industries, c'est ça. Maintenant, dire que les blancs ne sont pas, les Européens ne sont pas à l'origine de notre euh, misère, notre sous-développement, ça, oui, il y a une responsabilité de nos dirigeants, mais d'abord, la plus grande responsabilité, c'est la responsabilité occidentale. Commençons d'abord par le franc CFA que nous utilisons, qui est un chiffon de papier. Il faut reconnaître que le franc CFA n'a pas été inventé par De Gaulle. C'est un système qui a été inventé par Hitler, que De Gaulle a juste pris pour mettre en place entre lui, la France et l'Afrique. Comme toujours d'ailleurs, les Blancs et les Français, ils font que prendre ce que les Américains font, ce que les autres font, et puis eux, ils viennent en Afrique, ils se passent pour des maîtres, des grands penseurs, des grands savants. Mais en réalité, ce n'est pas eux qui ont inventé ça. Et le CFA est un frein au développement, puisque le CFA nous enlève notre souveraineté. Voyez-vous, nous, nous payons des impôts pour le CFA. Là. Nous payons des impôts à la France, parce que c'est elle qui fabrique notre monnaie. Contrairement à ce qu'on nous dit que c'est 50% que, euh, de nos réserves que nous déposons euh, à la Banque de France, ce n'est pas vrai. C'est 75%. Parce qu'il y a 15% qui sont faites le fait que euh, c'est la, la France qui fabrique notre monnaie. Et puis, il y a 10% environ qui euh, viennent du fait que euh, nous devons payer des impôts. Et il ne faut pas oublier que nos pays. Africains francophones, pour qu'il puisse développer n'importe quel projet, il faut l'aval de la France. C'est elle qui détient notre monnaie. Donc si elle, elle veut bloquer, elle bloque. C'est pour ça que quand vous voyez que quand il y a un président qui est indésirable à la France, eh bien, il bloque seulement les vannes. Il bloque l'argent. Maintenant, c'est à ce pays-là de, 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 de se plier aux injonctions de la France, de faire ce que la France demande, c'est-à-dire. Prendre les matières premières pratiquement gratuites, hein, comme on le dit, gratos. Le, le plus grand exemple, c'est celui de l'uranium, par exemple, du Niger. La France prend l'uranium du Niger et elle va vendre ça au prix fort. Ce n'est pas son uranium, ça ne lui appartient pas. Trois ampoules sur quatre en France s'allument euh, avec ou grâce à l'uranium qui vient du Niger alors que le Niger est dans l'obscurité. Ça n'a pas de sens. Je vais prendre un autre exemple. C'est que le pétrole du Congo-Brazzaville, jusqu'en 1992, euh, le, le Congo n'obtenait que 17% de son propre pétrole. 83%, c'était la France qui prenait ça. Vous ne voyez pas que c'est une façon d'empêcher le développement Alors que quand le prix du pétrole coûter 50 dollars 100 dollars sur le marché international le Congo la France achetait son, son, son baril à 5 dollars c'est ça qui nous cause le, le, le qui, a, qui, qui nous pose problème et quand nous voulons changer changer de, de, de partenaire de plutôt eh qu'est-ce que fait la France elle prend euh, elle prend elle manipule toute l'Afrique hein, tous les chefs d'État euh, pantins bidons pour que le, le, les chefs d'État, pas les chefs d'État, les chefs d'État, qui vont finir par euh, bloquer le cas du Mali, où on a pris des sanctions illégales et illégitimes à la demande d'Emmanuel de, euh, euh, Macron. Vous voyez, c'est ça qui nous empêche de nous développer. Donc, un, tout ce qu'il y a sur notre sous-sol là, ces matières premières qu'il y a dans notre sous-sol, c'est notre richesse à nous. Ce n'est pas un bien commun, non. C'est notre richesse à nous. Ça nous appartient. Voilà, c'est n'est pas un bien de l'UNESCO et ça sera jamais un bien de l'UNESCO. Maintenant, si nous ne nous, nous développons, n'arrivons pas à nous développer, c'est à cause de la France. C'est elle qui ne veut pas que nous puissions nous industrialiser. C'est pour ça qu'elle nous empêche d'avoir de partenaires autres que elle ou les autres pays occidentaux parce qu'eux ils s'entendent très bien pour diviser l'Afrique. Voilà, donc l'Afrique n'est pas pauvre. Nous avons les matières premières, nous avons les ressources humaines, une jeunesse qui est dynamique et forte, en bonne santé, ainsi de suite on a vu avec la pandémie du, du Covid, l'Afrique a été le continent le moins touché. Donc nous avons la richesse. Maintenant, c'est un travail qu'il faut faire maintenant pour euh, produire de la valeur ajoutée. Donc multiplier notre richesse. Mais pour ça, il va falloir d'abord qu'on puisse se battre pour la sécurité des personnes et des biens en Afrique, mais aussi pour notre souveraineté totale vis-à-vis -vis des pays occidentaux qui financent aujourd'hui... Euh, L'Union africaine, euh, les institutions comme la CDAO, euh, la CEMAC et autres, et ce sont eux donc qui tirent les profits de tout le travail que nous voulons faire. Et donc ils orientent la politique vers leurs intérêts. Et comme nous avons des dirigeants tellement corrompus et qui euh, sont très très bas, alors ils n'arrivent jusque-là pas à hein, montrer un exemple de bonne gestion et de, de bonne gouvernance. Voilà ce qui se passe exactement. Leur responsabilité, elle est là, elle est claire, elle est nette. On pourra en discuter pendant des heures, mais pour l'instant, je m'arrête là. Mais est-ce que dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence Non, nous sommes une force tranquille. Mais nous assumons tous nos propos. Yabakoler ve Soyez bénis, j'ai dit. Par la foi et non par la vue, mais moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. OTEP, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.